Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaël Del pour les jeux du signe. On vient de se prendre encore une grosse baffe, sans trop de pertes, si ce n'est que Malvinette est décédée. Mais elle s'était retournée contre moi, j'ai pas pu aller la sauver comme on m'avait dit que je pourrais le faire. C'est de la triche. Et j'ai vu là entre les deux épisodes comment ça s'appelle, le piquier là, qui avait été blessé ici par la troupe qui a fait tout le tour, est mort sur le premier piège venu. Donc c'est un problème qui ne se pose plus. Onyx, il va falloir que tu remplaces le poumon de Broudaf. Lara va pouvoir être recrutée malgré son moral dans les chaussettes. Ok, eux ils quittent la colonie. Tac. Allez, on réaccélère. Alors j'ai graveur en ardoise, je m'en cogne un peu. Ouais, c'est con que j'ai pas pu récupérer les armures. Tu étais fort sympathique. Une éclipse, c'est pas grave, j'ai pas de panneau solaire. Alors j'avais vu que tac, mon ardoise. Tac. 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 Mon ardoise pour faire tout le tour. Un chasseur n'a pas un Broudaf. Bah oui. Est-ce que t'as ton nouveau poumon? Oui. Ok. Météorite de machinerie compactée. Waouh. Nice. Je vais pas aller le chercher tout de suite, mais. Rataboum. Peut-être me passer. Et franchement, je pensais pas que j'arriverais au bout de mes papillons. T'es guéri, formidable. Au bout de mon herbe médicinale, là, franchement. Dommage que la caravane marchande soit pas allée chercher par là-bas. Là. Ça m'aurait arrangé. Oui, ils les ont un peu endommagés quand même. Ça reste pas tout à fait suffisant, mais bon. On fera avec. Mon chaud avec qui? Evans n'est plus incapable de marcher. Très bien. Allez, on récupère Barra. Alors,
qu'est-ce qu'elle vaut, Baram? Elle vaut pas grand-chose, c'est une ouvrière. Au combat, clairement, elle vaut pas grand-chose. Ce sont des choses qui arrivent. Toi, tu vas aller donc direct. Je vais éviter de faire la même connerie que Tuck pour Lapine. Donc, Barra, c'est une ouvrière. Pas de drogue. Pas de drogue. Tac, dresseur, je m'en cogne, non, chasseur, ouf, constructeur, pas terrible, fermier, oui, ménage, pourquoi pas, artisan 4, chercheur, pourquoi pas. Comme elle n'a pas la petite flamme. Là par contre, cette. Ouais. Voilà, donc la fille de Malvinette, on vient de tuer sa maman. Quelle tristesse. C'est vraiment trop injuste. Je vais pouvoir terminer cette pièce, je pense. Parce que là, je me retrouve fin de l'éclipse. Ouais, 634 tissus, ça devrait le faire. Ah, c'est pas exactement la même couleur. J'ai pas fait gaffe. Broudaf, il faut que tu récupères ton arme à distance. Était, si je ne m'abuse. Ah, j'ai dû récupérer 2-3 trucs. Alors, 3 fusils automatiques normaux. Hop. Fusil d'assaut excellent. Du coup, j'ai des fusils de précision. J'en ai un qui est bon. Je vais peut-être le donner à fusil d'assaut pour Broudaf. Attends, j'en ai pas un par hasard qui tirait un peu vite. Bio très névrosé, ça fait pas tirer plus vite. Non. Broudaf, un top incisif. Hop, pyromane, traîneur, douillette. Dans cela, j'ai pas de tireur rapide et je crois pas que j'en ai. J'ai pas de souvenir d'avoir déjà vu des tireurs rapides. Donc, Toshiro, t'as 10, 26, 9, 98, 9, 51. Onyx, t'as pas d'armes? Ah si. Ouais, Onyx, tu vas prendre un fusil mitrailleur. Smarty, même si tu tires mal, je vais te donner un bon fusil. Un bon fusil de précision. Tac. Tu veux pas t'en équiper? Je veux pas que tu le récupères. Tu t'en équipes. Ah, il est bien codé. Fuc. Fuc, fuc, fuc. Et celui-ci, il est bien codé aussi?
Donc, bah, il sera juste normal. Ok. Donc, Broudaf, on a dit. Fusil d'assaut normal. Tac. Équipé. Fusil d'assaut normal. Onyx. Un autre fusil d'assaut normal. Ici. Zikino, tu as déjà, il est quoi, c'est normal aussi. Et Morgane, et tu vas prendre également un fusil d'assaut normal. Tac, tac, équipe. Voilà. Très bien. Ok, ils m'ont terminé mes chemins. Brave petit, excès d'Ambroisie. Bon, celui-là donnera un peu le sourire. Toute façon, je crois que j'en ai pas ça. J'en ai deux. C'est pas avec ça qu'il va me déclencher une dépendance. Ok, bon. Tous ces gens commencent à être à peu près guéris. Leur manque juste plein de bras, plein de jambes. Finalement. C'est pas grand-chose, hein? Ouais, d'accord. Ça va pas bouger. Krog a guéri. Est-ce que tous mes cacs sont également armés? Il n'y en a pas qui... papier, tout est en PLS. Bara. Bara n'a pas d'armes. Bara va dans les derniers. Attends. Oui, Bara, vu ses stats. Bara, 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 Bara. Oui. Je ne suis pas trompé. Ok. Caplan des méthodes. Très bien. Barra, bon, avec tes stats, tu vas pas me faire des étincelles. Tu vas m'équiper. C'est quoi la portée? 25-6. Carabine sur elle. De toute façon, tu feras pas grand chose. Hop. Donc la pine, c'est bon. Tac. Krog, tout le monde est armé. Oui. Ce bras qui va pas tarder. Ok. Bon, les rajeunissements, ils commencent à me... D'abord, je vais m'occuper de ça. Quand je me serai occupé de ça, je sais pas trop comment. Mais comme je l'aurais fait... Dynamite qui va me péter un câble si je fais pas de rajeunissement très rapidement. Là, je n'ai plus d'Ambroisie. J'ai d'autres zones. Non, j'ai pas l'impression. À une époque, l'Ambroisie, ça poussait en boucle.
Ça va peut-être aller le bois. J'ai ce qu'il faut là. Bon, tu vas pas lâcher ta crise, papillette, là. Pour parler. On a rien à se coller pour parler. L'amour. Malvinette. C'était quand même l'un de nos personnages initiaux, si mes souvenirs sont bons. Bon, dès que papier était remis, on va s'attaquer. Voilà. Du coup, t'es un peu fatigué. Forcément. Commence à être inactif ces gens. Je vais me faire un deuxième. Deuxième chose comme ça. J'ai besoin de plus d'acier pour ça. Alors, plus d'acier. Je vais aller en récupérer là. Hop. Ça occupera les inactifs. Je vais aussi choper ça. Hop. Est-ce que papillote est toujours en train de pioncer, mais à peu près fini de récupérer. Bon. Allez. Alors, comment est-ce qu'on va s'y attaquer? À quelle portée ces saloperies? Ça a une portée de 46. Smarty. Smarty, ton fumusil de précision, il a une portée de 45. Okay. Bon, donc je peux même pas essayer de me dire que je vais le sniper à distance, le premier. Je vais devoir me le faire à la sauvage. Le problème, c'est que ça, typiquement, je pense qu'ici, ça l'atteint pas. Ouais, je vais devoir m'approcher, puis me prendre des bastos dans la tronche. Hein. J'ai pas bien le choix. Qu'est-ce qu'il faut habiller comme ça, se marier? À ce point-là, plus de. Attends, ce que je voudrais. C'est que tu aurais dû m'utiliser. Ouais, bah t'es en diable étoffe uniquement. Hop. Tac. Fais que du diable étoffe. Non, éventuellement du cuir. Cuir laine diable étoffe. Par contre, le tissu, il faut que je le garde. Même en fait c'est juste le tissu qu'il faut que j'enlève. Tac. Hop. Hop. Voilà. Ouais, parce que c'est un peu le drame là sur les.
fait un joli bonnet, c'est cool, mais... Mais du coup, je sais pas pourquoi ils font pas les tout ce qui est casque. Casque et compagnie, je sais pas pourquoi. Tâche. Ah, mais d'accord. Quel con. Forcément, il me le fait pas. Bon, tac, tout ça est là, puis là, puis là. Frénésie de travail pour Onyx. Hop. Hop. Allez. Mais un papier tabata. Flèche. Flèche. Bah oui, elle est là, ton arme. Bon, bah, je la ferai sans arme. Hop. Bon, le problème, c'est qu'il faut faire gaffe parce qu'il y en a qui... Attends, je vais éviter les... Je vais éviter d'y aller au cac parce qu'il y en a toujours qui explosent à distance. Célestine. Tu vas aller là. Hop. Tac. Tac. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Pour l'instant, je vais remettre là. Boum, et la pine qui se fait défoncer. Oui. Oh putain, t'es trop loin. Il est merde. Ah, c'est juste poil de fesse, trop loin. Vous passez l'expression. Et même si vous ne la passez pas. Tac, tac. Même là, je vais pas pouvoir tirer dessus. Chier. Tu te barres. Hop. Toi, tu vas suivre le même chemin. Il faut que j'avance tout le menu. Retin. Bouddha fait son nouveau poumon. Bim. Voilà. Problème réglé. J'avais dit qu'il fallait que je fasse gaffe à ce que ça pète pas trop fort. Je peux réautoriser. C'est quoi qui est pas autorisé là? C'est ça. Oh, fait chier.
Pêche, tac, nourri et un peu dans le mal aussi. Hop. On va pouvoir tout autoriser. Hop. Tac. On va pouvoir tout déconstruire. Tac. Et on va pouvoir libérer tout le monde. Hop, Mangazor. Ça, je pourrais aussi venir le miner. Le storage pour le piquer, mais tu m'emmerdes. T'en as de la place pour le piquer, je sais pas pourquoi tu ne peux pas me le stocker. Donc lapine, rien de très grave. Et là, un index. Les scorpicons. Rien de bien grave. Ok. Dynamite. Hop. Allez là. Dynamite, tac. Cycle de rajeunissement. Zikino également. Zikino, tac. 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 Hop. Là, on va le réactiver. Et il va clairement falloir que j'agrandisse parce que j'en ai besoin de plus. Donc, il va falloir que je mine par ici. Crise de boulimie pour Célestine. Bah, c'est pas une bonne idée. Pas bon de trop manger. Hop. Jalouse de la chambre de mix. Oh là là là, bullshit. Tu me fais quoi, lapine, là? Non mais... Il me fout du sang partout. Et se reposer jusqu'à une guérison complète. Oui. Ah non, c'est bon. T'es stable. Bon. Il fallait ici que je n'autorise pas. Pourquoi est-ce que c'est pas le même paramètre que les autres? Dissocier. Hop, tac. Coup tout ça, paramètre de lien. Et donc là, il fallait que j'interdise tout ce qui est biocodé. Autoriser les armes biocodées. Non. Les habits biocodés non plus. Ouais, les médicaments se font rares, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il faut même carrément que je m'en fasse plus. Je vais. Agrandir. Tac.
Tu m'emmerdes. Assigné pour... composant. Bien. Pas mal. Stockage. Carcasse de mécanoïde. C'est marrant, il y a les piquets là. Chef-d'œuvre. Poney en diabeltoff qui est une merveille. GG. Écoute. Ah oui, tiens, je peux peut-être en récolter là des racines de vie. Hop. Tac. Ça devrait déjà aller mieux. Ah, je sens que l'hiver commence à approcher. Célestine a fini de vider mon stock de bouffe. C'est l'hiver. Eloy est totalement guéri, formidable. C'est blessé qui soigne. L'autre blessé. Bah, il a rejoint la ligne du Cygne récemment. Bon, tiens, parlons de rejoindre la ligne du Cygne. Mangazor. Mangazor. Le pilote, où es-tu? D'accord, très bien. Tiens. Hop, les colons. Oh, mais ça n'arrête pas. La fille du Scorpicon et le mari de Danamite. Et ben, alors, ils sont pas doués en tactique de combat. Bon. J'aime pas trop savoir que j'en ai qui sont à perpète les oies. J'ai qui le Dynamite et en boîte, de même que Zikino. Bon gaffe. Tac. Tac. C'est parti, tu vas redescendre. Tac. Non, je vais juste sélectionner ce marque. Bon. Alors, où est-ce qu'ils atterrissent? Ils atterrissent là. Louis va te planquer. Juste dans le stockage, putain. C'est super naze comme position, merde.
Tac, sauf tout cela, tout par là, de même que toi. Hop. Louis, tu vas aller accueillir comme il se doit le seul qui est à l'intérieur. Alors, papillotes, c'est quel genre d'équipement? Hop. Hop, Morgane, là, mousse à raser. Tac. Mangazor. Tac. Onyx. Tac. Smoy. Tac. Bah, tu devrais te planquer, Coco. Ah putain, j'ai l'explosif. Ça est très bien. Smoy. Tu occupes une place qui est déjà prise. Qu'est-ce qui me balance des bastos là? C'est toi là? Lance-flamme. Putain, ça tire loin, ces saloperies. Et Louis qui se prend. Putain de merde. Tac. Célestine, tac. Corpicon. Va lui défoncer la tronche. Lapine, voilà. Alors, je suis juste pas très à l'aise. Attends, Onyx. Gazor, tu vas là. Qu'est-ce qu'il y a besoin de... Oui, c'est le bruit, tu m'étonnes. 5 heures. Ici, papier THS, putain. Ça y est, il s'enfuit. Pour chasser Onyx, tu vas me sauver l'ouri. Lapine, mouvement pas terrible. Scorpicon, mouvement pas terrible. Célestine, tu peux peut-être en défoncer un ou deux au passage. Tiens, voilà. Boum, oui, ça c'est très bon ça. Mangazor, tu veux m'éteindre le feu? Vous êtes comme ça là. Moussa, va me secourir, Kroga. Bim. Bim. Ça c'est fait. Ok. Il faut te penser à secourir Papillote aussi, non? Okay. Juste en train de cramer. Alors, qu'est-ce que tu veux toi? 8 heures. Tire tranche massive. Gâchette facile, affreux. C'est pas mal ça. Allez, toi je te sauve.
Hop. Capturer, merde, mine inébranlable. Fais chier. Bon. Et ben c'est reparti. Hein. Putain. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ah attends, j'en ai un autre là. Bio, tir, femme taupe aimable. Pas mal aussi. Addiction, wake up. Oulaf. Tac. Capturer. Mais tu peux m'éteindre ça. T'es juste à côté. Nourris. Crois gars, il faut me soigner quand même, hein. 12h, 15h. Alors, du coup, Smeil et Alena. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. C'est qui? C'est Scorpicon et Dynamite. Scorpicon. Sorry. Et Dynamite. Ouais, il n'y a pas vu. Il n'a pas vu. Quand on n'a pas vu, on ne sait pas. Il vaut mieux ignorer les choses. Hop. Bon. On va dire que ça va suffire. Tac. Tout est raccordé où? Ah, elle était raccordée là. Je pense qu'il va falloir que je planisse ici. Pour faire passer des câbles dans le mur. Agencement. Alors, Smeil, fidélité inébranlable. Alors, Chio, toi, je te convertis, je te recrute. Toi, Smeil, tu vas me donner quelques organes qui, je n'en doute pas, sont d'excellente qualité. On a toujours besoin de poumons. Hop. Putain, comment c'est tendu sur les... Comment? Sur les herbes médicinales, quoi. Bordel. Même sur la bouffe, c'est un peu tendu, en fait. C'est même carrément tendax. Il est temps d'aller chasser. Non, pas les dames. L'alpaga, les dindons, tout ce qui bouge. Et faire des tortues.
Et en plus, c'est l'hiver, donc. Allez, au pire, moi, ce play. Essaye d'améliorer un peu tes compétences. Ah oui, du coup, Célestine, tu vas pas me conduire à Vansoline. Pourquoi est-ce qu'il veut pas le mettre là? Onyx, hop. Non, tu ne nourris pas. Mais il n'a pas besoin d'être nourri puisque il est bientôt mort. Infection. Nix. Tac. Soigne. Merde. Oui, c'est la grippe. Soigne Boris d'abord. Ensuite, va manger. Il faudrait nourrir Monsieur Papillote, Madame Papillote. Bon. Ok. Alors là j'ai fini. Tâche. Tu vas me cloner. Tac. Pour le coller là. Voilà. Attends, si j'étais malin. Je ferai comme ça parce que sinon je vais en avoir trop. Et ensuite je ferai en sorte d'en avoir toujours un d'avance. Et pour ça il me faut plus de composants avancés. Ah. Papillote, c'est bon, c'est soigné. Croquet, du coup, n'a plus d'armes. Croquet combattait avec un couteau, si je ne m'abuse. Alors, j'ai une épée en moins, ça c'est pour Papillote. Moussa rasé, il a le marteau en uranium. C'est ça, Kroga, c'était le couteau en plastacier. D'acier. Pour l'instant, ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui s'est tombé aussi? Hop, c'est nourri. Récupérer. Non, c'est pas récupéré. Peut bien coller celui-là. Bah non. Non,
mon Dieu. Oh putain, il a plus de bras. Ok. Commencez par lui poser des... une prothèse de bras. Non, pas cardiaque. Prothèse de bras. Avant la veste renforcée. Fait quoi, pantalon renforcé? Oh putain, il a plus de bras quoi. Conversion Evans. Prisonnier recruté. Célestine Alpine. Langazor. Normalement, vous trois. De quoi là dans l'immédiat? Pantalon renforcé, chasse, cuisine. Ouais. C'est bien. J'irai chercher mes guettarimes après. Morgane va bientôt ne pas être content. Hein. Ça aurait de bon temps que... l'on aille terminer ces trucs. Bon, je vais bientôt récupérer plus de monde. Je pourrais peut-être te virer. La pièce n'est plus incapable de marcher. Ouhou. Il a bien récupéré ton épée. Oh, plus de bras quoi. Oh, t'as beau m'enrager. Tiens. Il vient de péter sur mes renards. Péter la gueule sur mes pièges. Bim. Allez, on vient éteindre. Bon, je vais peut-être arrêter cet épisode-là aussi. Finalement, commence à avoir fait pas mal de choses. Nouvelle recrue Boris, et voilà. Allez, je vais le configurer et puis ensuite je m'arrête. Alors, Boris, qu'est-ce que tu vois? Homme tout transhumaniste, t'es un ouvrier.
Un ouvrier, bon, plutôt qu'avoir une prothèse cardiaque, pour être posé un cœur. J'ai fait un cœur. Hop. Donc, tu es un ouvrier qui travaille de jour. Hop. Tu es un très mauvais combattant. Donc tu vas aller là, tu vas t'équiper d'un magnifique fusil carabine de survie. Voilà, bon état. Et ensuite, tu vas faire ça, 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 ça. Geôlier 4, dresseur, bref. Chasseur, bref. Cuisinier, tu vas éviter. Ah, il peut plus rien faire le bruit, quoi. Oh, putain. Ah, pas de bras, pas de bras. Hein. Bordel. Fermier, tu peux faire. Mineur 4. Constructeur, ouais, 3. Ça, t'es pas terrible. Allez, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Et bah, recommander des choses si vous auriez des choses à me recommander. Je vous fais bien des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.